Bonjour et bienvenue ici. Donc moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Ravelry, Instagram et donc YouTube sous le pseudo Le Demoiselle. Donc je vous souhaite la bienvenue et surtout une bonne année. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui va commencer. Voilà, on va pas trop en demander à 2021 parce que 2020 nous a montré que ça pouvait être franchement pas terrible, hein. Donc voilà, on va pas trop en demander pour cette nouvelle année, on va juste essayer de la vivre du mieux qu'on peut. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de podcast. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, j'ai été moi-même étonnée, je me suis dit, oh, tiens, c'est bizarre, un seul projet fini depuis le dernier épisode qui était je ne sais pas quand, mais début décembre. Et j'ai fini qu'un seul projet depuis et par contre j'ai deux projets sur mes aiguilles à vous montrer ensuite. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec ce que je porte. Donc je porte mon châle Leave Me. Voilà, vous savez à quel point je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, il fait vraiment froid chez nous. On a eu de la neige là ces derniers jours et maintenant c'est tout gelé. Ça glisse pas mal dehors tout ça et les températures ont du mal à dépasser le zéro, donc là il fait vachement froid. Donc voilà, mon châle que j'aime beaucoup hein, de By Night Création. Donc je vous en parle pas plus, vous le connaissez. Il est fait en fingering et mohair. Voilà, c'est mon pull, mon châle doudou. Et d'ailleurs, je vais pas le remettre parce qu'en dessous, je porte mon projet fini. On en parle tout de suite donc. Vous avez suivi ma saison de vlog de Noël. Vous avez donc pu suivre l'intégralité du tricot de ce pull. Je vous ai tout montré du début à la fin. Le montage, j'ai monté les mailles avec vous. Je vous ai montré le jacquard petit à petit. Ben, vraiment, vous avez vu la construction de ce pull de A à Z. Ça a été vraiment intéressant pour moi de faire ce vlog, de le partager avec vous et vous avez vraiment été au rendez-vous à chaque épisode et ça vous a plu énormément. Donc merci, merci tout simplement. Mais voilà, hein, c'est pas parce que je l'ai montré dans le vlog que je le montre pas dans le podcast. Donc voilà mon pull de Noël. Il s'agit du modèle Yvette de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc je vous rappelle, en fait, sur Ravelry, si vous cherchez le modèle Yvette, vous allez d'abord avoir un pull avec des rayures. Parce qu'à la base, c'est ce que Nadia avait fait. Donc c'est un pull avec des rayures. Mais dans le patron, il y a 7 grilles de jacquard pour faire ce petit motif de rayures et de sapin. Et tout le reste, par contre, du pull est en uni, comme vous voyez. Donc ce que j'aime beaucoup sur ce pull, c'est son encolure qui est vraiment dégagée. Et moi, c'est ce que j'aime le plus en fait. C'est j'aime pas quand ça me serre au cou. Et voilà, je trouve qu'elle a vraiment une forme différente de ce qu'on peut avoir habituellement. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié sur ce modèle. Donc c'est un pull qui se fait en... Je sais même plus les termes en anglais maintenant. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas dit. En toe-up. Ah non, toe, c'est les orteils. Bottom up ou en top down, voilà, on va y arriver. Ah, ça fait longtemps. Donc c'est un pull en top down, donc de haut vers le bas. On commence directement par l'encolure. On fait des rangs raccourcis, ce qui permet en fait, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Je sais pas si vous allez le voir, mais en haut du dos, j'ai davantage de matière. Voilà, il y a un peu plus de tricot l'arrière pour qu'il soit plus relevé que sur le devant. Et ensuite, on vient faire ce jacquard. Je m'approche. Donc voilà le jacquard. Donc c'est un yoke en... C'est un empiècement. C'est un yoke, hein, il me semble qu'on fait... Oui, bah oui, c'est pas un pull raglan. Non, c'est pas un pull raglan. Donc on a des rangs avec plusieurs... des rangs avec énormément d'augmentation. On a quelques rangs par-ci par-là avec toutes les augmentations. Et ensuite, on vient séparer donc, les manches juste après le jacquard. Et on vient faire le corps qui est tout droit. Et qui a, il me semble... Moi, j'ai rien fait de particulier.
Je sais pas si dans le... Non, je crois qu'il est tout droit. Voilà, c'est vraiment un corps tout droit. Et moi, j'ai fait par contre en bas... Hop, je vous montre un petit bout. Comment vous montrer ça? Hop. Et en bas, vous voyez, il y a des longues côtes. Et ça, c'est moi qui ai voulu faire des longues côtes parce qu'il était un tout petit peu court à mon goût. Donc, j'ai rallongé les côtes. Et ensuite... Ah non, non, donc oui, j'avais... Comment j'ai fait mon compte déjà? Oh, je sais plus. J'ai dû mettre en attente le corps et je suis venue faire les manches avant. Bah non, 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 j'ai repris. Non, j'ai fait tout mon corps, j'ai fait mes côtes et après je suis venue faire les manches. Donc j'ai fait les manches et pour rappeler un petit peu le jacquard du yoke, je suis venue faire deux lignes là de jacquard sur le bout des manches. Donc par contre, j'ai pas repris le blanc qu'on a ici parce que voilà, j'ai voulu faire simple, j'ai refait que les deux lignes rouge et jaune, donc sur les deux manches hein, forcément. Et c'est ça, c'est que mes manches étaient un peu trop courtes, donc j'ai fait des longues côtes ici pour qu'elles soient à la bonne longueur que je voulais. Et pour que ça fasse pas bizarre, j'étais venue défaire mon rabat et refaire des côtes en bas de mon pull pour le rallonger. Parce que je le trouvais un peu court aussi au niveau du corps et du corps. Et les côtes, comme elles suivaient plus avec celles des manches, je trouvais ça quand même plus logique. Au moins, j'avais les mêmes côtes aux manches et en bas du pull. Et ça me rallongeait mon pull. Donc j'étais voilà, j'étais pas plus mal comme ça. Donc sur le modèle, j'ai rien à redire. Franchement, bof, en fait, finalement, il est vraiment très basique. Une fois qu'on a suivi la grille de jacquard, après, ça va tout droit, il n'y a pas de complications. On ne suit pas tous les détails du patron parce que sur les rayures, là au départ, donc c'est uni. Après, on a toutes les rayures, mais les rayures, elles doivent s'arrêter. Je sais plus, mais il y a quand même, en fait, on arrête les rayures et on fait une bonne portion de couleur unie avant, après, de, après, avant, après, avant de faire les côtes ensuite. Je sais pas si je suis claire, en fait, on doit arrêter certainement les rayures par ici, on fait tout ça après en couleur unie, puis les côtes. Donc tout ça, Nadia l'explique, hein, faire des rayures, en, là, faut bien reprendre par rapport à celle du corps... Donc voilà, c'est bien expliqué pour les rayures, mais c'est vrai que bah, quand on fait le pull en jacquard, c'est vraiment des explications qu'on ne suit pas. Quand on fait, on tricote en rond, en uni, c'est vraiment très très simple. Et donc voilà, ça a été mon pull de Noël que j'ai porté le 25, pendant les vacances, je l'ai porté le 31. Et puis voilà, je le reporte là encore après les vacances parce que il fait pull, un peu pull de Noël, mais il fait aussi pull d'hiver, donc... Il est tout à fait portable en hiver sans que ce soit vraiment les... Bon, moi, je trouve que ce soit pas choquant de le porter en dehors des vêtements. Voilà. Je l'ai tricoté dans les laines de Nord, de Drops. Je sais pas où ils sont mes restes. Je n'ai plus... Je sais pas. Je dois avoir une culotte là quelque part, mais c'est pas... Oh, bref. Hop, je vous montre une autre culotte d'une autre couleur. Bah, quoi que c'est le blanc. C'est pas grave, il y a tout qui chute. Donc voilà, j'ai tricoté en or de Drops. Donc c'est quoi? C'est 35% alpaga, 45% alpaga, 30% polyamide et 25% de laine. Donc j'ai fait en or de Drops parce qu'il me restait du jaune et du blanc des pulls Maric que j'avais fait l'an dernier. Donc je m'étais dit autant réutiliser la même laine. Et puis la Nord elle avait assez bien fonctionné pour le jacquard sur mes marines. Donc je me suis dit que ça irait très bien. Donc ça fait que cette année j'ai eu juste à racheter le gris. Et qui est donc la Nord de Drops. Le vert pour les sapins. Et le rouge j'ai pris un mini de 20 grammes que j'avais d'une laine à chaussettes pour le faire. Et moi je trouve que franchement, bah, voilà, c'est moi j'aime beaucoup la Nord. Il y a des gens qui m'avaient dit, qui m'ont dit que ça allait gratter. Moi elle me gratte pas du tout, j'aime beaucoup, voilà, c'est chaud et puis moi je la supporte bien. Mais je pense que je suis pas trop sensible à la laine, il n'y a vraiment aucun souci avec l'alpaga, le mohair. Donc je pense que je suis pas, voilà, je suis pas très très sensible à la laine. Donc je pense pas que je ferai une référence en fait. Si vous êtes sensible au mohair, tout ça peut-être que celle-là vous piquera. Après ça c'est propre à chacun. Et je trouve que voilà, la Nord, elle a vraiment un joli rendu, elle se lisse bien. Et au niveau du jacquard, ben voilà, franchement, hop, ok, sans se joyeux. Voilà, on n'a rien à redire au niveau du jacquard. Elle fonctionne bien. J'ai utilisé 6 pelotes de gris pour faire la taille M.
Hop, hop, là, ouais, je l'ai marqué là. J'ai acheté donc une pelote de verre, mais franchement, pour pas grand-chose, ça. J'ai plus en mémoire le grammage que j'ai utilisé, mais c'est vraiment pas énorme en fait, hein, la quantité là qu'on utilise pour le vert. Pareil pour le jaune et le rouge, on en utilise vraiment très très peu. Sur mes 20 grammes, franchement, il m'en reste beaucoup. Hein. Je sais vraiment où j'ai mis mes restes. Ah, mais ils sont là-bas. Ah oui, mais non. Enfin, bref. En tout cas, sur Ravelry, vous retrouverez toutes les quantités utilisées pour ce pull. J'ai tout détaillé, comme ça vous verrez vraiment. Mais franchement, pour le jacquard, globalement, vous pourriez facilement trouver dans vos restes la quantité nécessaire. Il n'y a que le blanc qui nécessite plus de laine que les autres. Mais voilà, franchement, pour. Ou alors vous faites tout en une couleur, peut-être. Enfin, bref, il y a plusieurs possibilités, hein. Les choix sont infinis. En tout cas, donc voilà, il faut pas énormément de laine pour les couleurs contrastantes. Et j'ai utilisé donc 6 pelotes de gris. Et en fait, au total, ça m'est revenu donc pour moi à 16,43 € de laine. Parce que j'ai dû acheter que le gris et le vert. Et si on achetait par exemple moi, vraiment une pelote pour chaque couleur, ça revient à 21 €. Donc c'est vraiment voilà, un pull vraiment pas cher. Facile à faire, facile, rapide et pas cher. Et puis je trouve qu'il a vraiment un très beau rendu. Donc voilà, je garde le pull Yvette en tête. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc le pull Yvette, donc il est disponible en français et en anglais au prix de 7,56 €. Et je le garde en tête parce que je ferais peut-être bien une version en rayure. Je sais qu'il y a Fabienne de Biroulet Game et Nadia, elle l'a fait également ensuite, c'est de faire les rayures en mohair. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Le pull est tout en. La couleur principale est en fingering, et mais les rayures sont faites en mohair et ça rend super bien. Donc je garde peut-être en tête le fait de faire ça plus tard. À voir. Et on a fait le tour de mon seul projet fini. Ah oui, mais c'est ça, non, j'ai pas fini qu'un seul projet. J'ai fini un châle aussi. Parce que je me dis, oh, c'est bizarre, mon seul projet fini. Oui, voilà, j'ai tricoté un châle pour Azamtou. Donc Hello Tricot, mais il sortira début février. Donc je ne veux pas vous le montrer là, je vous le montrerai vraiment qu'à sa sortie. C'est pour ça que j'ai qu'un seul projet à vous montrer. Voilà, on a fait le tour. Donc on va pouvoir passer maintenant à ce qu'il y a sur mes aiguilles. Donc une fois que j'avais fini mon pull, oui, je crois que j'ai attendu qu'il soit fini ou pas avant de commencer autre chose. Oui, il me semble. J'ai commencé deux projets. Bah en fait, comme j'avais fait mon pull et je faisais mon châle en même temps pour le test, donc pour Azamtou, je m'étais dit que finalement ça s'était bien passé d'avoir deux projets ensemble. Je m'étais dit peut-être que je commençais à être multi en cours. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de poursuivre comme ça. Donc je me suis lancée dans deux pulls. Le premier, c'est le pull Syrah, donc de Marie-Christine Lévesque. Et voilà où j'en suis actuellement. Mais vous voyez bien. Ah, la couleur m'a l'air pas trop mal. Je sais pas. Oh non, si ça m'a l'air d'être pas trop mal là, la couleur. J'ai beaucoup beaucoup de mal à vous remontrer, à vous montrer cette couleur-là. En fait, déjà, même moi, en fonction de la lumière, je la vois pas forcément pareil. Je trouve qu'elle est, elle varie pas mal en fonction de la lumière. Et mais alors en plus, que ce soit en vidéo ou en photo, c'est vraiment très très difficile à montrer. Donc le pull Syrah, c'est un pull vraiment basique qui en fait a des petits détails qui font la différence. Mais donc on commence à faire, je ne sais déjà même plus, je pense qu'on doit faire un demi devant, l'autre. On commence par faire le dos. Oh, je sais même plus, c'est fou hein, ça de ne pas se souvenir. Comment j'ai fait mon compte? Comment c'est relié là? Vous voyez, je ne sais déjà plus. Bon, en tout cas, on doit faire le dos. On doit faire les demi-devants, hein, certainement, de toute façon. Et puis, on rejoint en rond sous les emmanchures. On va dire que ça doit être comme ça, parce que je ne me souviens plus. J'ai relevé les mailles là, je pense. Je crois qu'on fait le dos, on vient relever les mailles pour faire les demi-devants et puis on rejoint en rond. Mais enfin bref, voilà, hein, c'est comme l'autre, c'est un top-down, donc de haut en bas. Moi j'ai fait un écheveau et je me suis stoppée, c'est ce que j'aime bien faire en ce moment.
Ça me permet vraiment de pouvoir utiliser ma laine au maximum. Donc, je suis venue faire j'ai tricoté mon premier écheveau pour le haut du corps et je suis venue faire l'encolure que j'aime beaucoup. Donc, en fait, c'est une encolure, c'est une longue bande d'encolure qu'on vient tricoter et qu'on vient replier. Et ça donne une jolie finition. Hop, je vous montre de plus près sur le haut là de l'encolure de ce fait-là. Ça fait qu'au début, moi je pensais que c'était une encolure qui avait eu un rabat tubulaire. Parce que c'est ce que ça donne l'impression, mais en fait non, c'est juste le fait qu'elle est pliée que ça donne cet effet-là. Donc au moins, on ne fait pas de rabat tubulaire, c'est vachement sympa. Et j'ai commencé à faire une première manche. Donc voilà, on vient relever les mailles au niveau de l'emmanchure. On fait une manche toute droite pour faire une manche un petit peu ballon. Et ce qui caractérise le sira, c'est, hop, je vais essayer de vous montrer ça bien, c'est le pli. Je vais prendre la laine avec moi, ça sera plus facile. C'est le pli là. Comment vous montrer ça assez bien? Hop, hop, hop. Non, dans ce sens-là. C'est pas évident à montrer, je trouve. Enfin, bref, voilà, c'est ce pli là qu'on forme juste au niveau du poignet. Hop. Vous voyez, donc c'est super bien expliqué. Et Marie-Christine a fait une vidéo qui est disponible donc en français parce que donc le patron est en anglais et en français, mais la vidéo, en tout cas la vidéo du lien français renvoie vers qu'est-ce que je viens de dire? Le lien dans le patron en français renvoie vers la vidéo en français. Et c'est vraiment très très simple à faire. Il faut juste avoir par contre soit des aiguilles à torsade ou des aiguilles double pointe pour pouvoir faire la manipulation qu'il faut faire pour faire le pli. Mais voilà, c'est franchement pas compliqué à faire. Et ensuite, on vient faire des côtes 1-1 pour finir le poignet. Et c'est le pli en fait qui permet de resserrer complètement la manche et d'avoir cette forme ballon. Donc j'ai pas encore essayé ma manche, je sais même pas si au niveau de la longueur je suis bien ou pas. Il faudrait que je l'essaye avant de finir cette manche. Et donc j'ai fait, voilà, donc je vais finir ma manche, ensuite je vais faire la seconde manche. Et je finirai mon pull avec mon troisième écheveau. Parce que là j'en suis donc à mon deuxième. Donc avec mon deuxième écheveau, j'ai fait l'encolure et j'ai fait la première manche. Et là, je crois que j'en suis à peu près à la moitié de mon écheveau, donc je suis large, je vais avoir assez pour faire ma deuxième manche. Et ensuite, mon troisième écheveau, que je ne perds pas des morceaux. Mon troisième écheveau sera donc pour le restant du corps. Hop là. C'est la première fois que je tricotais un modèle de Marie-Christine Lévesque, et franchement, je n'ai rien à dire, c'est vraiment simple, c'est clair, c'est vraiment très très bien. Bien fait, j'ai pas de soucis avec du tout avec ça. Où est-ce que j'ai mis l'autre écheveau qui me reste? Non, raté, c'est pas ça. Hop, ça doit être celui-là. Je l'ai rangé dans un sac à tricot petite montagne. Je me demande si c'est pas le premier sac à tricot que j'ai acheté, il me semble. Et donc voilà, le dernier écheveau qui me reste. Donc c'est de la marque Lily sur un fil. C'est sa base Lily Sock et c'est le coloris Andrea. Et j'ai l'impression que vous avez la bonne couleur. Ça m'a l'air pas trop mal. En tout cas, là, dans mon retour d'écran, à moi, c'est pas mal. Enfin, ça c'est cool. Donc voilà, je tricote avec ça. J'ai rien à dire. C'est vraiment une très très belle couleur. J'ai passé au deuxième écheveau. Bah sur les manches, on voit pas de différence de. Y a pas de différence quoi, de toute façon c'est le même bain et bon, voilà. Moi j'alterne de toute façon jamais mes écheveaux, même pour le corps, je vais passer au troisième et je me fais pas de soucis. A priori, il n'y a aucun souci avec ces couleurs. Et je suis vraiment contente de me faire un pull dans cette couleur-là. Parce que je l'avais pas dans ma garde-robe. J'avais un pull dans les mêmes tons mais du commerce. J'avais pas de pull tricoté dans ma garde-robe. De ces couleurs. Donc je suis contente de changer un peu de sortir un peu de ma zone de confort. Et ensuite, le deuxième projet que j'ai monté sur mes aiguilles, je l'ai fait à Noël. Ça a été donc mon custom de Noël. Et c'était un pull coup de cœur. C'est un modèle coup de cœur que j'ai vu chez Fabienne de Birou Les Games. Elle le portait dans son vlog dans ses vlogs qu'elle avait fait au niveau de l'avant. Et voilà, j'ai vu sa version, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que je voulais faire la même chose.
Et donc, je me suis lancée en cherchant dans mon stock de laine que des échevaux qui n'avaient pas encore de projet attitré ou qu'ils étaient seuls. J'ai réussi à trouver un combo de laine et je me suis lancée donc dans le pull poncho Winter Wine de Paul Tébé. Alors, je vous montre ça. Hop, comment vous montrer ça? Voilà où j'en suis. Donc là, c'est du jacquard. Ça, c'est le dos que je vous montre. Bah non, pas si, c'est le dos. Je vous montre le devant. Il n'y a pas au moins de différence au niveau du jacquard. Ah, c'est pas facile, hein. Là, voilà, comme ça au moins vous avez quand même le dessin à l'endroit. Donc c'est un pull avec des petits sapins. Enfin, des petits. Des sapins quand même plus grands que ceux que je porte là, hein. Donc avec des grands sapins plutôt. Donc voilà, c'est avec des sapins. On commence par l'encolure qui est sorte de, je sais pas, si c'est un peu la brioche en rond ou en tout cas voilà ce que ça rend. C'est vraiment facile à faire et je trouve ça super étonnant que en fait on ait une couleur qui ressorte vraiment pour les mailles en droit et une couleur et l'autre couleur qui ressort pour les mailles en vert. C'est vraiment sympathique. J'aime beaucoup le rendu. Et ensuite, on attaque directement donc le jacquard. Donc c'est un emplacement en yoke. On a parfois des rangs avec beaucoup d'augmentation. Donc on commence voilà avec ces petits motifs voilà, géométriques. Et ensuite là, on fait les sapins. Donc là, c'est un peu plus compliqué les sapins parce qu'on a quand même parfois on a 9 mailles d'une couleur et puis une maille de l'autre. Mais c'est pas facile à vous montrer. Bah tant pis, vous allez voir à l'envers, ça sera plus facile. Tant pis. Là, c'est plus simple pour moi. Donc, en fait, les sapins, ouais, c'est pas forcément facile à faire puisqu'on a 9 mailles, donc chez moi, de violet, puis on n'a parfois aucune maille de beige, et ainsi de suite. Donc, il faut croiser les fils assez régulièrement si on veut qu'on ait une bonne tension. Et là, je suis repartie sur un petit motif voilà, géométrique. Et là, ça va être en fait le changement, ça annonce le changement de dominance de couleur. Parce que là, vous voyez, c'était ma couleur foncée qui me permettait de faire les motifs et ma couleur claire qui était en fond. Et là, en fait, ici, on va interchanger ensuite les deux couleurs. Donc ma couleur foncée qui va rester donc le rouge va devenir le fond. Et je vais passer avec une couleur claire pour faire les motifs de ce pull. Donc la particularité du pull poncho, c'est qu'en fait l'emmanchure, elle est vraiment très très basse. L'emmanchure, elle est vraiment très très basse. Voilà, c'est vraiment un pull poncho, c'est l'effet poncho qu'on a. Et ensuite, on vient faire le corps. Normalement, il se tricote donc avec des laines. Le corps se tricote avec de la fingering et du mohair. Ça, c'est une chose que moi, je ne ferai pas. J'avais pas le mohair en stock et par contre, j'ai pas mal de fingering en stock. En stock, donc voilà, je vais adapter en fonction de ma taille d'aiguille pour essayer de trouver ce qui va le mieux. Je verrai bien, peut-être que je ferai moins de diminution ou enfin, je verrai bien au moment du corps comment je vais bidouiller la chose pour ne pas utiliser de mohair. Oh, je perds mes mailles. Donc voilà où j'en suis. Donc je l'ai commencé à Noël. Au début, j'avançais bien sur les deux. Je faisais un coup le cirat, un coup le pull poncho, mais je me rends compte que j'ai quand même du mal en fait. À tricoter, à avoir deux encours, ça me plaît pas parce qu'au final, ben, j'ai ni l'un ni l'autre. Je vais me retrouver, si j'avance les deux à peu près au même rythme, à la fin, je vais me retrouver avec deux pulls à porter, alors que finalement, je préfère en tricoter un et puis le porter et puis voilà, passer au projet suivant. Donc, je le tricote moins. Je l'ai un peu mis de côté en ces derniers temps parce que je préfère avancer sur mon pull Syrah avant de continuer sur ce pull-là. Je vous ai pas dit, le pull là de Paul Tébé, il est disponible en anglais et en français. C'est assez clair, franchement j'ai pas de problème pour l'instant. De toute façon c'est que du jacquard, donc on suit globalement la grille de jacquard. Et où est-ce que j'ai mis mes laines de ce projet là? Ah c'est terrible, j'ai rien. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pourtant j'ai pas bougé mon stock. Ah il est là. Voilà, j'ai retrouvé. Dans le sac à projet Apollonie. Le premier que j'ai acheté chez Apollonie, il me semble. Voilà, j'adore la doublure. Donc, je vais revenir sur les laines. Donc, c'est des laines que j'avais en stock. Hop. Bien là, le pull.
Donc là, les deux couleurs que je suis en train de tricoter, c'est de l'écheveau solidaire. Alors, si je vous mets droit, hop, par là, on descend un peu. Voilà. Donc là, on a la traversée du désert dans sa base, je ne sais plus, Kindness, je pense. Donc c'est 100% Merino non superwash. Et là, c'est écoute la voix de ton cœur dans la même base. Et ça, ce sont les écheveaux qu'on avait dans la box de Noël de 2019. Donc je trouvais. Bon, j'ai mis un an pour les mettre en route, mais voilà, je les ai commencé à les tricoter à Noël 2020. Quand j'ai donc ouvert ma box de l'écheveau solidaire 2020, je me suis enfin décidée à tricoter ceux de l'an dernier. Et je les combine avec. J'ai choisi d'utiliser mon reste de Air de Lune. Ah, vous le voyez un petit peu trop foncé, quoique. Dans sa base, je ne sais plus quoi du tout, mais c'est le coloris Eggplant. Voilà, c'est vraiment un aubergine. Et je l'avais utilisé pour mon châle The Doddler de Stephen West. Il me restait un beau reste, je crois qu'il me restait à peu près la moitié de l'écheveau. Donc je l'ai passé dans les. Donc ça m'a servi pour faire l'encolure. J'ai fait les sapins parce que sinon je me disais que j'avais pas assez de rouge pour faire tout le jacquard. Et comme je vois que j'en ai assez, je ferai certainement donc les poignées des manches. Ils doivent être certainement avec la même méthode, donc je réutiliserai celui-là pour les poignées de manche et si j'ai assez pour le bas du corps. On verra bien à ce moment-là. Et ah oui. Et donc là, je vous avais dit, j'arrive sur une section où je vais inverser donc la couleur dominante. Donc là, on fait plusieurs rangs où on fait 2 mailles de rouge et 1 maille de beige. Et ensuite, en fait, je vais faire quelques rangs que de rouge. Donc je vais arrêter ma couleur de l'écheveau solidaire et je vais commencer à utiliser cette couleur-là. Donc ça c'est sa passe crème de La Féfile. Donc ça va être légèrement plus clair. Hop, que je vous montre. C'est plus clair que celui de l'écheveau solidaire, hein, mais je trouve que voilà, de toute façon comme il y aura quelques rangs de rouge, voilà, je trouve que ça va rendre vraiment pas mal. Et donc ça après, ça sera les motifs seront de cette couleur-là. Et c'est sur sa base 100% Merino Superwash, je pense. Et enfin, le corps. Parce qu'en fait, on a vraiment. De toute façon, je vous aurais mis, je pense, avant la photo une photo du pull pour que vous voyez. On a vraiment tout le jacquard sur le poncho. La partie, on va dire, poncho. Mais une fois qu'on sépare les manches du corps, le corps, il devient en uni. Et à ce moment-là, je vais utiliser cet écheveau de teinture lurée. Dans sa base Fingering Merino Super Wash, il me semble. Et c'est son coloris Oh My Blush. Donc voilà, ça c'était un écheveau. Donc les deux écheveaux de l'écheveau solidaire, c'était la box de Noël de l'an dernier. Et ces deux-là, c'était des écheveaux que j'avais par trois. C'était des écheveaux que j'avais par trois. Et en fait, j'en avais utilisé deux comme ça et deux comme ça. Il me restait ces deux-là qui étaient seuls. Donc franchement, hop, je trouvais que là, ils s'accordaient vraiment bien. Je vais essayer de vous montrer le truc, oh, le combo ensemble. Je sens que ça va me tomber dessus. Enfin bref, voilà. Je trouvais que ça se mariait très bien. Oh, là. Donc ça, voilà, c'est mon pull du moment. Mais j'avoue que voilà, j'avance beaucoup mon pull Syrah. Et je ferai mon pull poncho ensuite, quand j'aurai fini mon pull Syrah. Je trouve ça pas mal. Je préfère faire dans ce rythme-là. Mais après, de toute façon, je m'étais dit, le pull, voilà, le pull poncho, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce pull-là. Et donc, je me suis dit que je me pressais pas. Et il irait au rythme qui irait. Ça prendra le temps que ça prendra, voilà. Je me suis dit, c'est pas grave si je le finis dans 2 mois. Voilà, je prends le plaisir à le tricoter de temps en temps. Parce que voilà, entre-temps, je me suis. Ben, voilà, j'avais quand même. Je m'étais mise dans un cale pour faire le millefeuille de Loli la Fée. J'ai un autre pull que je voudrais faire aussi. Puis ben, voilà, j'ai un stock, j'ai des quantités de laine, des quantités pulls. Pour faire des pulls là vraiment d'hiver en mohair ou en suri, donc il faut vraiment que je le fasse là pour que je puisse les porter en fait. Donc je me dis voilà, celui-là c'était vraiment un projet plaisir qui irait donc à son rythme.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, hein. Ça va être un petit épisode pour commencer cette année, mais c'est comme ça. Je vais vous parler donc, comme on a du temps, je vais vous parler un peu de ce que j'ai prévu de faire ensuite. Comme je vous disais juste avant, je m'étais mis dans un cale pour faire le pull millefeuille. Donc c'est le pull millefeuille de Loli la Fée. Moi je vais le tricoter dans. Alors que je prends là. Donc j'ai choisi de le faire en or. Voilà, je change pas, hein. Je suis restée dans la Nord de Drops. Et je vais l'associer donc au Shuri de Fiber Space. Donc ça c'est vraiment une laine, une marque que je ne connaissais pas. Et c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé en fait ce Shuri-là pour faire le millefeuille. Et j'avoue que c'est vraiment très très doux. Il est vraiment super super doux. J'ai été très très surprise et je me dis que ça va faire un pull chaud et tout doux. Ça va être vraiment top. J'ai fait mon échantillon. Il est là. Et voilà, bah pour l'instant, ce que ça donne. Donc c'est marrant parce qu'en fait, la Suri ne donne pas le côté tout poilu qu'on peut avoir du mohair. Mais ça apporte beaucoup de douceur en fait au tissu sans que ça soit trop trop poilu. Je sais pas si comme ça vous allez voir. Vous voyez, c'est pas très poilu, mais c'est très très doux et ça fait un tissu. Je pense qu'il va être bien bien dense et bien chaud. Donc voilà, ouais, ça c'est mon prochain projet qui va sauter sur mes aiguilles. Donc ça sera le millefeuille, le millefeuille de Loli la Fée. Et je pense que je l'avais dit dans un épisode, ou je l'avais dit dans le vlog, je savais que Nadia Crétin-Michel allait sortir un pull, le pull Pita. Je vous mets une photo pour que vous le voyez. C'est un pull qu'elle a tricoté en Ulysse de Dererum Natura avec tout un yoke en jacquard. Et moi, franchement, je suis fan. J'en avais déjà vu un aperçu de ce pull, je sais plus, peut-être en septembre sur son Instagram. Hein, voilà, elle avait montré un petit bout de son encours à ce moment-là et déjà là avec une copine on l'avait repéré, on s'était dit ah celui-là il s'annonce super beau et donc on va le faire entre copines, hein, coucou les filles, Alexandra et puis Valérie, on va le faire et on va donc le faire au mois de février ensemble et faut que je commande de la laine donc pour le faire le pull Pita donc je vais faire aussi en Ulysse parce que j'aime beaucoup mon Humulus d'Isabelle Kremer que j'ai fait en Ulysse donc je reste je suis contente de réutiliser la laine de Dererum Natura donc je vais faire ça en février mais il faut que je commande la laine, il faut que je regarde un peu les couleurs que je veux pour ce jacquard et puis après de toute façon j'ai plein d'envies, j'ai toujours l'idée de faire le Silverleaf de E. Lang avec Anna. Et je dois absolument me faire mon pull Bloomsbury. Je vous en avais déjà parlé dans le podcast précédent. J'ai la laine pour le faire, donc il faut que je le fasse. Et en plus, je suis sûre que ça va aller super vite. C'est un peu comme le Love Note, ça se fait avec des grosses aiguilles. Donc je pense que ça va aller super vite. Mais il faut juste que je me lance. Donc ça sera vraiment là mes projets pour cet hiver. C'est ça que j'ai prévu. Ça va. Noah m'a pas demandé sa paire de chaussettes parce que je vais lui faire une paire de chaussettes et je lui ai toujours pas faite. Il m'en a pas reparlé donc pour l'instant, tant qu'il m'en reparle pas, il l'aura pas. Je lui aurais acheté des grosses grosses chaussettes du commerce toutes fourrées avec de. Toutes fourrées là, de je sais pas quoi, mais bon, bref, elles sont toutes fourrées dedans et donc. Et avec des trucs antidérapants dessus donc ils les mettent énormément comme chaussons à la maison donc pour l'instant, de toute façon, ils me mettent même pas les chaussettes tricotées qu'ils avaient avant. Ça sert à rien que je m'embête à leur faire des chaussettes cette année. Je pense qu'ils vont muser leurs chaussettes là, leurs grosses chaussettes cet hiver. Puis l'an prochain, j'en rachèterai pas. Comme ça, ils mettront mes chaussettes tricotées. On arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Que malgré que ça soit court, ça vous plaise quand même. Au moins, je reviendrai, je pense, le mois prochain avec plus de projets. J'espère que j'aurai fini mes deux pulls. J'aurai normalement le châle d'Azamtoi à vous montrer. Donc j'aurai quand même plus de matière à vous montrer le mois prochain. On se retrouve en tout cas bientôt pour des vidéos hors série sur différents thèmes. Vous verrez ça quand ça arrivera. Et on se retrouve également bientôt dans un vlog. Vous avez beaucoup aimé les vlogs en décembre. Vous m'avez beaucoup demandé. Vous m'avez dit que vous espériez que ça continue. Je vous le dis, je vous l'annonce, ça va continuer. Je suis en train d'en faire un. Il devrait être publié dans quelques jours, je pense, parce que je parle trop dans les vlogs et
finalement la vidéo elle est déjà assez longue. Donc en tout cas, soit on se retrouve dans le prochain épisode de podcast, soit on se retrouve dans un vlog tout bientôt. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!